c'est parti pour une petite partie en Foch B. Donc le TD français muni d'un autoloader à 6 obus. Donc 6 obus qui ont une valeur de pénétration de 257 à la munition standard et 400 de dégâts moyens. Je vous laisse faire le calcul. 6 x 4, 24, 2400 PV que l'on peut prendre avec un barillet. C'est juste monstrueux. La mobilité, il est assez rapide, agile. Par contre, vous voyez sa petite corne ici, là, ici, cette partie-là, elle est facilement perçable. C'est un vrai weak spot. Donc, dès que vous avez quelqu'un qui sait le jouer ou qui connaît son point faible, ce char-là, on va dire qu'il est. C'est pas une victime, mais c'est vraiment un char. Qui est facilement prenable, hein, pour plein de raisons. Les weak spots, comme je vous disais, il y a aussi le fait qu'il n'a pas de tourelle. Du coup, vous avez la possibilité de le traquer assez facilement, le permatraque et le sortir très simplement. Voilà. Ah, pardon, Bourrasque. Pardon. On va s'excuser. Voilà. Hop. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attends. Un petit malin là. Non. Ok. Bon, on fait un demi-tour. Il y a le garde qui est derrière. Et le SU-101. Pardon, Boubou. Pardon, poulet. Merci. Bon, c'est bien. Il va se relocaliser. C'est ce qu'on a de mieux à faire. De toute façon. Là, je sais pas trop me placer. Je n'ai pas envie d'aller trop devant. Pourtant, je suis top tier. Mais j'ai pas envie d'aller derrière non plus. Juste me reloc avec la MX-30. On va essayer de pas le gêner. Allez, premier tir. Parfait. Magnifique. Le Lys, qu'est-ce qu'il va faire? Aïe, 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 aïe. On perd 2-0 déjà. On a vu personne. On a vu personne pour le moment. Il va se mettre là. Ah, il m'a spot. Alors ça doit être le SU-100. Il doit être là. Ouais, bingo. Bon. 34, il me prend des dégâts à la HE. Peut-être le TVP. Est-ce que le TVP va venir là? Oh, ça a l'air. Ouais, ça a bien l'air. Attends, on va rester là. Ouais, il est là. Et de 1. Et de 2. Et voilà. 948. Le TVP est out. On va reload. On va se mettre en reload tout de suite. Voilà. Gameplay de Foch. On est en train de se faire démonter dans le centre, j'ai l'impression. Ouais, donc on va essayer, je pense, de. On va essayer de. D'attendre là et qu'ils arrivent. On voit bien qu'il traverse un peu. Ouais, j'ai fait l'assist. Ok, parfait.
Allez les loulous. Ah voilà qui me plaît bien. Salut. On va choper un angle là-dessus. Oh, le standard. Oh yes, c'est Noël. Salut. Allez. Ok, je suis déjà à 2004. On a bien profité là. On va se mettre en reload. Voilà. Allez hop. Ce qu'il y a, c'est que ça monte très très vite avec ce char. Autant qu'on se fait sortir. Donc voilà. Ok. Donc là, le Jag peut-être. Est-ce qu'il va sortir? Il va sortir le 100 quand même, non? Le 50, je veux dire. Ouais, il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Coucou loulou. Ah, j'ai un tout petit angle. Ok, il sort. Parfait. On va vite se retourner. J'ai peur du guard, hein, toujours derrière. Hein. Ah bah, bingo. On va sortir le SU. Normalement, c'est bon. Et là, il m'en reste plus qu'un. Et maintenant, je suis dans la mouise. Voilà, on va essayer de le tourner un peu pour les copains. Hop là. Merci, monsieur. Hein. Salut. À 4000. Bien, ça. On va se remettre en reload. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Le TVP, est-ce qu'on va essayer d'en mettre une? Peut-être que ce serait pas mal. On va essayer, mais là, je vais être mal placé. Ouais, c'est pas terrible. Ici. Ah, je spot le scorpion. On va essayer de pas s'en prendre trop. Ouais, il y a TVP qui aime les coller. Bon, on en met une sur le scorpion G. Et une sur le TVP aussi. Ok. On va pas les attaquer de front. Je pense que c'est un petit peu stupide. Ouais, Charlemagne, ça serait bien de le sortir. Je vais aider la MX-30. On va essayer d'aller l'aider. Et où le S1? Ah bah il m'a spot. Donc à mon avis il est dans mon dos là-bas. Il va m'en mettre une techniquement. Non, ouais, il m'en met une. Ok. Il a vu le stick. Ok, bon. Normalement il devrait se faire un plaisir de le sortir. Donc pas besoin de moi, voilà, ça c'est réglé. On va aller choper Charlemagne. Et là ils sont en train de caper. Ok. Ok, ok. Ça devrait le faire.
Allez, toi, tu sors l'ami. Ciao. On va s'occuper du scorp. Pff, oh, il a lâché. Encore un champion du monde. Encore un champion du monde. Allez. Viens là, loulou. Tu traques. Et tu crois que j'ai plus d'obus. Mais j'en ai encore un. Bing, ça sort. Ok. La MX30 est sortie. Maintenant, c'est moi avec le TVP. Je lui demande d'attendre un peu. Pas y aller tout seul. Ok. 312 HP lui reste. Est-ce qu'on va faire la guerrier pour les 6 kills? C'est pas sûr. Là, j'ai juste à aller tanker, attendre qu'il me tire dessus. Voilà, il va me tirer dessus, il va être spot et le TVP devrait pouvoir le sortir. C'est ce que je veux faire, c'est mon plan. Voilà, il me la met. Parfait, et boum, au revoir, ciao, bye bye. Tout de suite, les résultats. Et les résultats de la bataille. Donc, la master, main de dieu, cogneur, tirer pour détruire. On a le combattant. On a l'éclaireur et le dueliste, le spartiate, le mur d'acier et le gros calibre. Donc 5 kills, 5498 de dégâts, 1663 d'assist. Voilà, donc c'est une plutôt belle partie. Je suis premier avec 1208 de points d'expérience. Et au niveau des rapports détaillés, on a utilisé pas mal de gold. 44 000 crédits de dépensés sur cette partie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !